en restant invisible. Je pensais que tu allais jouer R, mais même pas. Ah bah non, pas spécialement. Ouais, du coup, il a pas de rester parce que au final, il a que 15% et vu qu'il croyait que j'étais R, il avait un bouclier en slip. Ce qui était d'un côté pas trop. Enfin, un bon choix, mais bon. Alors, par contre, je rappelle qu'on est nous dans de coco, donc s'il veut faire durer, il peut faire durer. Enfin, il se barre et il se soigne avec le gène de coco. Moi aussi, je l'ai, donc je vais pouvoir soigner un peu aussi. Je sais même pas où c'est que j'ai perdu ma vita, moi. Ah oui, dans le glyphe au début. Il utilise tous ses PA alors qu'il est sous piège de silence, donc il va prendre pas mal de dégâts. Alors, Bastion, c'est quoi? Ok, faut que j'aille au cac. J'allais mettre de l'érosion, hein, honnêtement. Il a même pas rempart en plus. On met de l'héros, il prend encore des dégâts. Là, je vais prendre un dégât, c'est clair et net. Mais au moins, je lui ai viré un peu de stats en terre en plus. Et en agi aussi, donc c'est pas mal. Ah, c'est vrai que j'ai pas trop de res neutre. Faut que je fasse attention à ça. Parce que j'ai des bonnes res de partout, sauf en feu et en neutre. Donc là, il va sûrement me faire Barry. Non, même pas. Il a pas fait de. Je peux encore taper là. Bah ouais. Bah, du coup, c'est pas très gênant. Enfin, bref. Il est full érodé en plus. Est-ce qu'il a des res neutres? Pas spécialement. Je vais peut-être mettre un coup de cac. Faut que je fasse un crit. Pas de crit. Ah oui, merde. Ah putain, je suis con. Bon, au moins ça met l'érosion. Oui, je suis débile. J'avais pas fait gaffe. Il a rempart. J'aurais dû faire double M. Hein. Donc, barricade de lancer. Moins 3 PA. Ça fait mal aux fesses. Ça, si, ça fait mal aux fesses. Je vais faire invisibilité d'autrui. Quoique, quoique. Eh oui, pas malin l'épée. Bah oui, je parle. Et du coup, je me concentre pas. Glyphe optique. Encore le bouclier FK. C'est bien joué, c'est bien joué. Du coup, il me rattrape un peu niveau vita. Là, il y a Dooku qui arrive, donc pour nous deux. Mais vu que lui, je l'ai rodé, ça va moins le soigner. Enfin, ça va être à peu près pareil. Hein. Allez, on sort du glyphe. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, mon double de merde? Oh là là, trop chiant. Le double qui fait de la merde. Le classique double. Bon, là, on va attendre le Dokoko qui est déjà tombé. Il est tombé quand? Ah, il est tombé avant, j'avais pas vu. Pour nous deux. Donc, prochain Dokoko, le tour 10. Donc, ce sera juste avant que je sois visible, je crois. Ah, il se prend le silence, nickel. Nickel pour moi, ça va lui mettre des dégâts supplémentaires. Il faut que j'aille lui mettre des poisons. Là, je vais pouvoir lui en.
je vais faire un peu. Je vais pas aller dans son glyphe, comme ça il aura pas d'infos d'où je suis. Enfin, il saura que je suis pas dedans, du moins. On va aller par là. Et là, il y a le Dooku qui arrive prochain tour. Il prend encore 240 dégâts de poison. Donc j'ai 1000 points de vie d'avance. Faut quand même faire attention. Pour le. Ouais, faut quand même faire attention quoi. Enfin, faut pas trop prendre la conf comme tout à l'heure. J'ai pris la conf. Au final, je me suis mangé 2000 vita dans les dents. Donc voilà, faire gaffe. Puis j'ai fait un petit fail aussi. Mais c'est rien de bien dramatique. C'est pas très grave. Il a encore deux tours sur ce empoisonné là. Je vais peut-être tuer son double Feka, ce serait peut-être intelligent de ma part. Comme ça au moins mon double il irait sur le Feka en lui-même. On va voir, on va voir. Ouais bon, on va le laisser en vie son double, tant pis. Je vais rester caché là. Et puisque mon double est intelligent, eh bien non, il est très con. Bon, au moins il gêne un petit peu, c'est déjà bien. Mais il aurait pu déclencher le piège empoisonné. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, on a eu le centre de coco pour nous deux, il me semble. Voilà, j'ai eu 386, il a eu 350. Il s'est TP, il va me caler un aveuglement. Normalement, il lui reste 7 PA. Je perds qu'un seul PA, donc ça va. Il lui reste plus que 900 points de vie, lui. Ah, moins 3 PO, ça fait un peu chier. Oh putain de double. Bon, faut pas que laisser trop se soigner. Tour 13, il y a du soin pour nous deux. Il m'enlève 3 PA, putain, il fait chier. Il a plus que rempart ce tour-là. Ouais, j'ai des petits pièges à disposition. Il va mettre un glyphe, il va mettre une kawotte qui n'est pas très gênante parce que de toute façon je comptais rusher. Moins 1 au coup sournois. Mais bon, je lui ai mis un piège empoisonné, c'est le principal. Bah là, il va sans me rusher quand même, faut que je fasse attention, mais j'ai l'invisibilité disponible, je compte sur ça pour rester en vie. Surtout qu'il a plus aucune protection, donc il va peut-être faire une trêve. Non, je pense pas qu'il fera trêve en PVP 1v1, ça vaut pas le coup. Surtout contre un SRAM. Il va peut-être surtout me rusher à mon avis et prier après. Parce que, ouais. Là, il y a Dooku qui arrive, hein. Dooku qui arrive, donc ça va me faire 342 soins pour lui. Moi, ça va me faire 362 soins, 370. Il a la relance du bouclier FK déjà. Et on va lui en mettre un petit piège de silence. Ça va pas lui faire de mal. Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons les doubles. J'avais oublié ce détail. Putain, mais déclenchez-le ce putain de piège. De toute façon, vous avez pas de PA, vous allez pas les déclencher. Oh, ah, ça m'énerve ça. Qu'est-ce que c'est chiant, il aurait pu le déclencher 10 fois. Bon, du coup, il va de l'autre côté, ce qui est plutôt bien joué de sa part. Il relance rempart, il a encore le bouclier FK. Faut que je lui mette du poison, hein, parce que là, il commence à me. Ouais, bon, ça va, il va pas toucher à l'aveuglement, heureusement. Il faut que je perde pas 3 PA. S'il te plaît, pas moins 3. Ok, ça va. Nickel. Tac. Je suis obligé de rester dans le glyphe. Il prend 320 dégâts de piège empoisonné. Tour 16, il y a du Dokoko. Ah le bâtard, ça c'est bien joué. Il a eu le jetter, hein, il a eu de la chance. Putain, pas si simple le combat, hein. Parce que j'ai fait de la merde à un moment, c'est vrai. En plus, j'aurais pu le terminer peut-être, mais. Ouais. Et puis les doubles m'ont un peu trollé, hein, on va pas dire, mais. Non, je suis pas là. Il recule, prévisible.
Allez, on va essayer de le tuer. Ah merde, merde, putain, mais c'est quoi ce bug d'affichage? Mais oh, mais Dofus, mettez pas moins 300 s'il y a rempart, mais what the fuck. Dofus, le jeu des Kikous avec leur bug d'affichage. Du coup, je vais mettre une KOAT. Il y a vraiment des bugs d'affichage assez violents. Allez, il aurait 600 points de vie, il va prendre un piège. Prochain tour, là, il y a Dooku qui arrive, donc il va récupérer 330 points de vie. Moi aussi, je vais récupérer 370. Il me met un glyphe à la con. Je peux même pas reculer, il y a le putain de piège de silence qui n'a pas été déclenché par le double. Ah, mais l'intelligence artificielle est super gênante. Il va quand même s'avancer, hein. Peut-être me mettre un autre glyphe, mais je vois pas trop lequel. Un aveuglement, peut-être, surtout. Ah non, un doppel. Bon, le doppel. Pff. Normalement, ah, il va peut-être venir me faire chier, mais je sais pas. On va voir. Il a fait bastion là. Ça veut dire que je peux aller le tuer, non? Ah bah non, forcément, je suis taclé. Je sais même plus ce que c'est, bastion. Ouais, là j'ai pas de portée. Alors. Ok, donc. Tac. Tac. J'ai rien pour déclencher, donc je suis très con. Putain, je fais n'importe quoi. Putain, le chef qui en rajoute une couche. Il prend 220 dégâts de poison, mais normalement il peut pas me tuer quoi. Il en 12-6 quand même. Et c'est tendu. Ah, il peut se TP. Donc il va me caler un aveuglement. Moins un PA, ça va. Il va me caler une bulle ou deux bulles peut-être. Ce serait bien qu'il déclenche le piège empoisonné là. Sans le faire exprès, ouais, il a dû l'oublier. Donc ce serait bien qu'il aille dedans en reculant. Voilà, nickel. Ça lui fait qu'il est sous deux empoisonnés. Enfin, peut-être qu'un seul, je sais pas. Putain, le doppel, il fait chier. Un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va jouer safe, hein, on va pas prendre de risques. Les doubles vont faire de la merde, je suppose. Ah, le chauffeur, il va. Colle-toi au double, le doppel, s'il te plaît. Comme ça, il me casse plus. Voilà, nickel. Comme ça, le double, il me fera plus chier. 230 dégâts encore sur le Fika. Du combat qui dure un peu. Hein. J'ai du mal à le finir. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. Il va essayer de faire un perfide. Il va même pas essayer. Il va faire un perfide sur la cavotte. Il a plus que 500 points de vie. Le problème, c'est qu'il peut se régénérer encore. Ah, et s'il s'avance, c'est bien pour moi. Il va sûrement qu'il y a un glyph optique. Un glyph optique bien gênant. Ouais, c'est obligé. Bah sinon je vois pas pourquoi il... Ah non, même pas. Ok, d'accord. Il s'avance pourquoi alors? C'est ultra risqué ce qu'il vient de faire. Il a rempart, heureusement. Ah l'enfoiré. Je sais pas si ça vaut le coup, mais on va quand même faire ça. On recule, on recule. Il y a deux Coco qui arrive là, non? Tour 19, je crois qu'il y a deux Coco. Bah, le prochain tour. 226 dégâts. J'aurais peut-être dû faire des sournoiseries au lieu de faire le zigoto là. Bref, c'est pas grave. Il me touche de là? Putain, il a une ligne de vue là. Enfin, il a la portée à 1 pile, je pense, à mon avis. Et un glyph optique. Bon, là il y a du soin, ça va me faire un petit peu respirer parce que je suis quand même assez low HP. Est-ce qu'il se prend le piège mortel en malchance? Eh oui. Je le sentais bien là. Bah, bien joué à lui quand même. C'était assez tendu, hein. J'ai un peu mal joué, je trouve. J'ai fait des erreurs et tout. J'avais un... Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué un FK, mais j'ai pas très bien joué. Bref, bien joué à Wolvie. C'était ça peu. N'hésitez pas à laisser un like. Bye tout le monde.